Donc, merci beaucoup, Sébastien Boller, pour nous accorder cet entretien. Et encore félicitations pour la réception de ce trophée du Grand Prix du livre sur le cerveau. C'est le trophée 2020 qui récompense une publication publiée en 2019. Et le jury de la revue Neurologique vous a décerné ce prix en jugeant à la fois les qualités de rigueur scientifique, qui pour nous, bien sûr, sont très importantes, mais aussi l'originalité du propos. Il ne s'agit pas de faire que de l'académie ou du déjà fait. Votre livre est très original. C'est ça aussi qui nous a beaucoup intéressés. Et puis, bien sûr, le plaisir de lecture. Il ne faut pas que ce soit un pensum. Il faut que le lecteur soit accroché. Et vraiment, votre livre avait toutes les qualités pour recevoir cette année ce Grand Prix. Donc, encore félicitations. Donc, je vais vous passer la parole pour présenter un petit peu, de manière générale, le livre. Et ensuite, je vous poserai des questions sur voilà, qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre et qu'est-ce qui vous êtes. Merci beaucoup. Je suis vraiment très touché, très très honoré. C'est un immense bonheur pour moi de recevoir ce prix. Et à propos du bug humain, donc de ce livre, il est parti en fait de. Ça peut sembler un petit peu étrange de mettre face à face comme ça le cerveau et les questions de l'environnement. Et j'aurais jamais imaginé ça il y a encore 5 ans. Mais il y a environ 2, 3 ans, j'ai été pris d'un questionnement profond, bien sûr, sur l'avenir de notre planète, de notre civilisation, et d'une interrogation sur pourquoi finalement l'être humain, qui pour moi, de par sa constitution physiologique et cérébrale, est un être exceptionnel, enfin, qui me passionne pour le fonctionnement du cerveau depuis 20 ans, j'avais toujours eu la vision du cerveau comme de l'organe le plus complexe de l'univers, c'est ce qu'on dit souvent. Et comme ce qui avait finalement élevé l'homme quelque part au sommet du règne vivant avec une capacité d'adaptation incroyable, et malgré tout constater que doté de ce cerveau extraordinaire, l'être humain était quand même la seule espèce capable de détruire sa planète. Donc il y avait là-dedans une contradiction qui était tellement flagrante que ça m'a forcé à m'interroger finalement sur ce que j'avais toujours cru sur le cerveau humain. Est-ce que il n'y a que des qualités dans cet organe, ou est-ce qu'il n'y a pas aussi un principe de destruction, quelque chose qui ne fonctionne pas correctement et qui nous rend incapables finalement d'agir avec un minimum de cohérence? Et peut-être que dans le fond, malgré sa puissance calculatoire et instrumentale extraordinaire, peut-être que le cerveau n'est pas au clair avec sa cohérence interne et avec les objectifs qu'il poursuit. Et à ce moment-là, j'étais déjà confronté à une souffrance personnelle lié en fait à un endroit que j'aime beaucoup, une maison de famille dans laquelle je vais depuis que je suis tout petit, qui est située sur l'île Dieu, et le fait d'avoir vu reculer comme ça la ligne de côte et des endroits que j'aimais qui disparaissaient, avec une érosion marine toujours plus importante, des espèces qui disparaissaient, et avec une forme de révolte et de colère comme ça. Et puis, de plus en plus, la sensibilisation aux enjeux climatiques, avec ce qui m'a vraiment frappé dans le discours public et dans le discours des médias, une contradiction flagrante. C'est-à-dire qu'on pouvait entendre à la fois un discours alarmiste sur le fait que les accords de Paris, par exemple, visant à limiter le réchauffement climatique à 2 degrés en 2100 ne seraient jamais tenus parce qu'on était incapable de limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Et puis d'un autre côté, les gens qui, les journalistes, par exemple, des responsables politiques, qui se réjouissaient à chaque fois qu'on arrivait à décrocher des contrats de 50 milliards pour vendre des Airbus à l'Arabie Saoudite. Donc, tous ces gens qui étaient soi-disant éduqués, intelligents, formés intellectuellement, étaient incapables de se rendre compte qu'ils disaient une chose et son contraire, parfois à quelques heures d'intervalle. Et donc, il y avait cette espèce de cri d'incohérence dans l'être humain qui m'a semblé absolument dramatique aujourd'hui, qu'on pouvait absolument plus se dispenser d'explorer en détail où est la source de l'incohérence dans l'être humain. Donc moi, avec les outils qui sont les miens, je me dis, je vais regarder ce qui se passe dans le fonctionnement du cerveau humain. Et en me penchant plus particulièrement sur deux niveaux de traitement de l'information dans le cerveau, le niveau cortical, avec les capacités d'abstraction, de planification, de traitement de l'information à un degré assez raffiné. Et le niveau plus profond, plus limbique, avec les noyaux de la base, avec le système de récompense, et plus particulièrement un ensemble de structures, le striatum, très lié à la motivation, au désir, à l'apprentissage et au plaisir qu'on retire d'un certain nombre de comportements. Et moi, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant de réfléchir
à l'idée que c'était l'expansion du cortex humain à l'échelle de l'évolution des hominidés qui avait fait le succès de notre espèce, qui avait permis d'inventer des outils et des technologies de plus en plus perfectionnées, capables de nous donner du confort de vie, capables de nous, d'organiser notre milieu, d'extraire des ressources naturelles de la Terre, de tout organiser autour de nous. Donc, le cortex, maître de tout ça. Et par contre, sur ces régions plus profondes qui nous donnent de la satisfaction, des émotions, du plaisir brut, quand je me suis penché notamment sur le striatum, il s'est avéré qu'en fait, le système de récompense nous donnait du plaisir quand on réalisait un certain nombre d'actions assez simples qui avaient toujours été associées à une amélioration de nos chances de survie à l'échelle de l'évolution. Et ces cinq actions, c'était effectivement manger, se reproduire, dominer les autres, acquérir du statut social dans un groupe hiérarchique, faire le moins d'efforts possible et récolter un maximum d'informations autour de nous. Et c'est étonnant de constater qu'en fait, tous les grands postes de la production industrielle et de l'économie humaine qui aujourd'hui étaient responsables du saccage de notre planète et qui étaient les plus grandes émettrices de gaz à effet de serre, étaient toujours rattachés à un de ces cinq grands désirs. Prenez l'agriculture, par exemple, 24% d'émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui à cause de l'agriculture industrielle. Le désir de manger de l'être humain, en fait, est derrière tout ça. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de ramener ça à des époques où l'accès aux ressources alimentaires était limité par la faiblesse de nos moyens technologiques. On est un homme du paléolithique, pour manger, il faut chasser, il faut cueillir, c'est difficile. On ne trouve pas tous les jours autant de ressources alimentaires qu'on le souhaiterait. Et donc, on est dans un milieu de rareté où il faut prendre tout ce qu'on peut, dès qu'on peut. Alors, si on se rend compte qu'après, le cortex se développe et est capable de produire des instruments comme la charrue, comme la roue, comme les armes de jet, et puis de mettre en place de l'élevage intensif, de l'agriculture intensive, à ce moment-là, ces désirs primitifs d'alimentation qui nous viennent de notre striatum sont satisfaits pratiquement sans limite par le pouvoir de la technologie, mise sur pied par les capacités d'abstraction, notamment du cortex cérébral. Et donc, vous avez un désir au départ qui est limité par le contexte naturel, qui n'a aucune raison de s'auto-limiter parce que les limites de son environnement le font pour lui. Ce désir ancestral se retrouve finalement avec une satisfaction potentielle d'origine technologique qui est sans limite. Et la rencontre des deux, c'est l'épidémie d'obésité à laquelle on est confronté, qui est en hausse sur tous les continents et qui aboutit à une situation où on meurt plus aujourd'hui des conséquences du surpoids que de la faim dans le monde. Donc ça, c'est un exemple qui montre comment la rencontre de désirs ancestraux ancrés dans notre système de récompense, quand ils sont assistés par la puissance instrumentale du cortex, finalement donne une problématique qui est la problématique de l'excès et non plus la problématique du manque. Et tout le livre ensuite passe en revue ces cinq grands besoins. Ensuite, le besoin de sexe et de reproduction, ensuite le besoin de statut social, le besoin d'homéostasie, de minimisation des efforts et le besoin de quête d'information qui, à chaque fois, vont subir ce phénomène qui est de la bascule du manque vers l'excès. Et donc, on se retrouve dans une humanité qui est en surchauffe, en surpoids, en surinformation, en désir de statut social sur les réseaux sociaux, en tout ce qu'on veut, avec évidemment un impact gigantesque parce que la technologie qui est nécessaire pour satisfaire ces désirs est évidemment sous perfusion d'énergie fossile et que nous sommes 8 milliards maintenant à vouloir accéder à la satisfaction de ces désirs-là. Donc notre malheur vient en fait de notre puissance et du fait qu'on n'est pas programmé pour se limiter. À ça s'ajoute un mécanisme assez diabolique de notre système de récompense qui est l'habituation hédonique, le fait qu'on s'habitue à ce qu'on a et que pour restimuler ce système, il faut augmenter les doses, ce qui est quand même un parallèle assez frappant au niveau neurochimique de la croissance comme principe économique. Et ça peut nous permettre de s'interroger sur pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se dépêtrer de ce dogme-là. Et puis un autre grand piège que nous tend ce système sous-cortical, c'est la cécité au temps, à la profondeur du temps, c'est-à-dire l'attraction pour les récompenses immédiates, la difficulté à différer nos désirs, qui fait qu'évidemment, quand on est confronté à des enjeux climatiques globaux, dont les effets se font ressentir dans 10 ou 20 ans de façon dramatique, et bien c'est très très difficile de changer de comportement vis-à-vis d'enjeux qui sont aussi éloignés dans le temps. Et alors, le livre fait ce constat-là, et ensuite essaye d'imaginer quand même des moyens on va dire de détourner le flot de dopamine de notre striatum par des moyens qui ne seraient pas aussi destructeurs pour l'environnement
La première piste, c'est de redécouvrir le plaisir, non pas par la quantité en augmentant les doses, mais par le pouvoir de la conscience, en créant une sorte de caisse de résonance pour nos désirs au quotidien. L'exemple le plus frappant étant la redécouverte de l'intensité hédonique par les techniques de pleine conscience, lorsqu'on est capable, de, par exemple, de manger peu, mais en étant pleinement présent à ce qu'on mange, donc on est capable de réduire les doses, mais d'avoir tout le temps autant de plaisir, toujours autant de plaisir. Donc ça, c'est très, très important. Il me semble que les études montrent que la capacité de notre cortex cérébral à créer une conscience très étendue et sous-exploitée au profit de l'intelligence instrumentale aujourd'hui. Donc, il faut remettre ça en branle. Et puis, des études plus récentes qui suggèrent que l'altruisme en tant que tel est capable aussi d'activer de façon très, très puissante le système de récompense. Mais que pour l'instant, et cette capacité d'activation des neurones dopaminergiques est beaucoup plus mise en œuvre chez les femmes que chez les hommes. Et probablement à cause de phénomènes liés à l'éducation, puisque encore dans beaucoup de sociétés dans le monde, on va valoriser une petite fille, d'ailleurs depuis son enfance, quand elle partage, quand elle fait preuve d'empathie, de sollicitude, c'est l'éducation genrée. Et si bien que l'impression d'être valorisée, d'avoir un statut, qui est un besoin essentiel de notre striatum, se trouve associée à un comportement altruiste. Donc ça veut dire qu'il y a évidemment une plasticité dans ce système et qu'on peut éventuellement rééduquer notre cerveau pour être pleinement heureux de vivre, non pas en accumulant, mais en partageant. Évidemment, la norme sociale sera déterminante pour ça. Et puis, une troisième voie qui est une découverte aussi assez récente sur la capacité de la pure connaissance et de la curiosité pour le monde des concepts, en fait, à justement activer le système de récompense, à faire libérer la dopamine de notre striatum, ce qui ouvre des voies, finalement, d'une humanité heureuse, non pas par la matérialité, mais par la connaissance partagée. Donc voilà pour le plan d'ensemble du livre. Merci beaucoup, c'est extrêmement précis et tout à fait complet parce que vous avez même devancé pas mal de mes questions. Peut-être avant de discuter quelques points, juste votre parcours personnel un petit peu vous-même, Sébastien Vollère, qu'est-ce qui vous a amené jusqu'au bug humain? Donc plus, vous avez déjà exposé un petit peu pourquoi est-ce que ce livre, mais de manière générale, quoi, votre activité, d'abord. Vous avez fait de la recherche, ensuite vous êtes parti plutôt sur le journalisme. Un petit peu votre parcours. Oui, j'ai un parcours assez sinueux, en fait, puisqu'au départ, moi, j'étais passionné par l'astrophysique, donc j'ai fait des classes prépa pour faire de la physique, et puis je suis entré à l'école polytechnique où j'ai fait de la physique des particules, de l'astrophysique des particules, et puis en sortant de l'école, j'ai découvert en fait l'univers des neurosciences qui était en plein boom à cette époque-là, et il m'a semblé que c'était la prochaine terra incognita, quoi, même peut-être même plus que l'univers. Et donc j'ai fait une thèse de neurosciences à l'Institut Pasteur avec Jean-Pierre Changeux, et à l'issue de cette thèse, je me suis aperçu que je préférais savoir que chercher, et donc j'étais très intéressé par tous les métiers de la communication scientifique, du débat sur les idées autour des sciences, et là j'ai lancé la revue Cerveau et Psycho au sein du groupe pour la science, autour d'une communauté de chercheurs qui faisait circuler des idées absolument passionnantes à cette époque-là, et ça a été une aventure qui se poursuit d'ailleurs, parce qu'il y a eu un public tout de suite au rendez-vous, c'était vraiment le bon moment pour le faire, et donc ça a été pendant comme ça 10-15 ans d'émerveillement sur cet organe, jusqu'au bug humain, avec une espèce de doute. Voilà, je pense qu'on traverse tous. C'est un doute civilisationnel aussi, parce qu'on voit bien, la page est tournée, hein, l'homme comme créature parfaite qui se serait ici au sommet de la création est en train de devenir l'homme comme la pire des créatures qui est en train de détruire la création. C'est une blessure narcissique de plus. Hein. Ouais. Voilà, oui, exactement. C'est la quatrième. Le bug humain, donc vous avez bien exposé le contenu. Hein. Moi, j'étais très admiratif de la masse de connaissances qui est brassée avec ce plan là que vous avez bien décrit. Et puis en filigrane, quoi, cette espèce d'alliance de la carpe et du lapin, cortex et sous-cortex, et quelque chose qui, on le comprend bien au niveau évolutionnaire, a été extrêmement performant. Ouais. Et puis avec la disponibilité des ressources. Ça dérape, s'il y a tout, effectivement, tous les plaisirs immédiats sont,
sont disponibles, et ça va être des chiffres complètement fous quoi, que vous décrivez dans votre livre. Hein. Oui. Moi qui me font tomber de la chaise, hein, vraiment. Oui. Des choses incroyables sur les visionnages de vidéos, des trucs dingues. Et vraiment, vraiment affolant. Alors, dans le diagnostic, on vous suit tout à fait. On ne voit pas comment remettre en question ces problèmes-là, enfin, surtout avec ces données à l'appui qui montrent bien comment ça peut déraper, comment l'outil performant qui nous a amené jusqu'à ce qu'on est peut maintenant être un peu mis sur la brèche avec le fait que tout est possible, tout est disponible. Et alors sur les traitements, enfin, en tout cas les thérapeutiques, les moyens de prévenir ça, il y a des questions. Alors l'une des questions, c'est vrai que tout est disponible et en même temps parfois pas complètement, et ça peut générer de la frustration qui sera un peu le résultat de ce blocage entre la motivation à consommer tout et parfois le fait que oui, tout est disponible mais des fois un petit peu trop loin encore et pas complètement. Et dans les problèmes de la société actuelle, il y a aussi un petit peu de cette frustration qui est en jeu, et qui est aussi une manifestation de ce couple mis à disposition et recherche du plaisir immédiat. Oui, c'est vrai. Moi, c'est effectivement ce qui m'a le plus fasciné en commençant à adopter cette grille de lecture, c'est un côté, une sorte de fatalité, quoi. C'est-à-dire qu'on fait souvent des enjeux écologiques et sociétaux une question de presque de morale, en me disant il faut faire ci, il faut faire ça, mais c'est juste que effectivement notre cerveau il nous a servi pendant très longtemps, ça a été notre meilleur allié, et on n'aurait jamais réussi en tant qu'espèce à conquérir la planète sans un désir d'aller toujours plus loin. Et c'est ça qui est terrible, c'est que nous sommes des êtres d'insatisfaction à cause de ce mécanisme-là, et c'est l'insatisfaction qui fait d'une espèce comme l'humanité une espèce conquérante, qui se conçoit comme sans limite. Mais la donnée qui se heurte à nous, qui est en fait absolument impossible à intégrer dans nos neurones, c'est le fait qu'il y a une limite indépassable. Et ça, on va avoir énormément de mal avec ça. Et ça répond peut-être un peu à votre question sur le fait que en plus, il y a un effet de resserrement microscopique sur la période du dernier demi-siècle qui s'est écoulé, où nous sommes venus au monde, vous et moi, avec l'idée que on pouvait nourrir des espoirs sans limite de réalisation personnelle, d'ascension sociale, d'enrichissement, de succès, qu'il n'y a pas de limite a priori. Et il y a une phrase, je trouve, qui résume bien cet esprit-là, c'est les seules limites sont celles qu'on se place soi-même. Dépasse tes limites, c'est des slogans de sport, c'est des slogans de publicité. Just do it. Il n'y a pas de limite. Et quand on a été bercé de cette vision du monde, en fait, et tout le monde l'est, après, c'est vrai qu'il y a des rappels de la réalité, hein, qui sont liés à la précarité pour certains, à des frustrations personnelles pour d'autres, à le fait de se comparer sans arrêt à des gens qui gagnent plus, qui possèdent plus, ou qui sont plus populaires, et d'un seul coup, on se trouve renvoyé à ses propres limites. C'est quelque chose de très pernicieux, par exemple, dans les réseaux sociaux, puisqu'on sent tous que potentiellement, on pourrait avoir 50 000 amis, mais en pratique, les likes, ça monte et puis ça descend. Puis d'ailleurs, on voit à ce moment-là que la dopamine s'arrête, et puis c'est insupportable. Et puis, on trouve toujours quelqu'un d'un peu meilleur que soi-même, qui a plus de likes, plus d'amis, plus de visionnage sur YouTube ou plus de followers, et là, on est ramené d'un seul coup à une limite, mais à une limite qu'on n'a pas intériorisée, parce que le logiciel de base, c'est ce qu'on nous a mis dans la tête depuis le début, et qui correspond en fait au fonctionnement sous-cortical de base, c'est non, tu peux aller toujours plus loin. Donc la frustration à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pouvoir la gérer. Et la gestion de la frustration, on sait comment ça fonctionne aussi, hein, c'est quelque chose qui s'éduque, c'est notamment la capacité à attendre avant d'avoir quelque chose. Alors,
la maîtrise de soi, les connexions inhibitrices entre le cortex préfrontal, le striatum, c'est quelque chose d'assez magnifique. Ça se construit chez un enfant. Il y a la fameuse expérience du marshmallow. Là, on voit que les gamins qui arrivent à résister pendant 3 minutes avant d'avoir une friandise, ben, plus tard, ils réussissent mieux dans leur vie personnelle. Ils arrivent à modérer leurs impulsions, à penser plus dans le futur, la conséquence des actes, tout ça. Donc, ça s'apprend. Donc, c'est quand même pas désespéré parce que notre incapacité à gérer la frustration, elle résulte aussi d'une forme de paresse ou d'instruments qu'on ne nous a pas donné. Donc, il y a une grande responsabilité en tant que parent par rapport à ça aussi. Et bon, on est plutôt sur une pente un peu positive là-dessus. C'est-à-dire qu'on est sorti de l'époque où on disait qu'il ne faut plus jamais demander à un enfant d'attendre trop longtemps avant d'avoir sa PlayStation. On peut lui dire maintenant, bah non, ce n'est pas pour tout de suite. Mais on a encore énormément de travail parce que on a une jeunesse, par exemple, qui est très sensibilisée aux enjeux climatiques, mais qui est aussi très habituée à avoir tout très vite, tout de suite. Donc, il y a une ambiguïté, il y a une ambivalence même, et je pense qu'il faut beaucoup travailler là-dessus dans le discours public. Ouais, c'est tout à fait l'enfant roi hein, qui ne tolère pas la frustration. Et l'impatience participe un petit peu de ça, hein, bien sûr. L'impatience dans laquelle nous vivons, il fait qu'on a du mal à attendre 8 secondes le chargement d'une page. Les mécanismes de la satiété, est-ce que la satiété pourrait être une réponse à ce dérapage? Si nous avions une sensation de satiété qui s'établit à un niveau qui correspond à quelque chose de vivable en commun, qui puisse être... la satiété est un mécanisme de régulation de ces appétits sans limite. Et comment est-ce qu'on pourrait restaurer cette satiété? Quels sont les mécanismes qui nous manquent pour que nous soyons en satiété de nos désirs? Ah, c'est complexe, mais il y a déjà le temps. Par exemple, au niveau alimentaire, la satiété, c'est un mécanisme naturel qui se met en action quand on mange au bout d'un certain temps, entre 20 minutes, une demi-heure. Donc, ça, c'est quelque chose qui se fait naturellement, à condition que les mécanismes alimentaires n'aient pas été déréglés par des nourritures qui appuient trop sur le gras, sur le salé, sur... Donc, le temps est important. Et alors, ça, c'est un paramètre peut-être le plus important de tous, même au niveau de l'organisation de la société, des rythmes de travail, des rythmes de vie, c'est que le temps, on en manque. On va de plus en plus vite. Ça, ça a quand même été bien documenté au niveau sociologique, l'accélération de la société. Et donc, prendre le temps de goûter un plaisir pour laisser les mécanismes de satiété s'installer, malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne fait pas toujours. Et en plus, la satiété semble perturbé aussi par le fait d'être distrait. Vous mangez devant un écran, devant votre télé, ou en faisant dérouler le menu déroulant de votre smartphone, la conscience n'est pas vraiment disponible pour la perception des saveurs. Et à ce moment-là, on s'aperçoit, selon les études, qu'on mange entre 50 et 70% de calories en plus que si on est vraiment pleinement présent sur les saveurs qu'on ingurgite. Et plus on va prendre de temps aussi pour savourer, plus la société va avoir le temps de s'installer. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler beaucoup, le temps de s'asseoir, le temps de manger, le temps d'écouter un morceau de musique, le temps de... Pour tous les biens de consommation qu'on a, en fait. Si on ne prend pas le temps vraiment de les goûter, de les partager, d'en parler, on en jouit très rapidement et puis on en fait tout de suite un autre. Donc, et puis la satiété, elle dépend aussi beaucoup de l'injonction aussi à imiter les désirs d'autrui. Il y a énormément de mimétisme dans le désir. Quand on nous montre sans arrêt des images de personnes qui possèdent un SUV ou qui prennent des vacances à l'autre bout du monde en trouvant le meilleur vol à moins de 150 euros pour aller à Bali et qu'on en parle en discussion de collègues. Il y a l'envie vraiment très mimétique de base, très simiesque presque, de dire je vais faire pareil, il faut que je fasse pareil pour faire partie du groupe, pour pas déchoir. Et là, la satiété ne devient plus qu'un mot vide de sens, parce que le désir n'est plus dicté par la sensation physiologique, mais par des variables d'ajustement social, de l'ordre de la comparaison, du statut, qui est très important. Et à ce moment-là, on ne peut plus vraiment parler de satiété en tant que telle. Elle est ajustable en fonction de là où on met la barre, en fonction des autres aussi. Donc, la question d'accéder à une forme d'indépendance vis-à-vis du regard des autres va être cruciale à ce niveau-là.
ça on le voit bien, les personnes qui sont en crise d'estime de soi, qui ont une estime de soi vacillante parce qu'ils dépendent à l'extrême du regard d'autrui, ont des désirs qui n'arrivent pas à s'ajuster sur leurs propres sensations, mais qui se calent sans arrêt sur le regard d'autrui, sur le souci de s'intégrer. On voit beaucoup chez les adolescents qui sont extrêmement sensibles à la norme sociale dans leur groupe. Moi, je vois des ados qui sont très sensibles à la protection de l'environnement et à qui je dis, bah, dans ce cas-là, tu n'es peut-être pas obligé d'aller t'acheter une nouvelle paire de Nike la semaine prochaine au centre commercial. Et là, il y a un véritable conflit, ça se voit. Il hésite, il dit, mais pourquoi tu ne veux pas? Il dit, bah, moi, je veux bien, mais je ne veux pas être le seul. C'est-à-dire que si je suis le seul dans ma bande à avoir des chaussures génériques sans marque, ça ne va pas du tout. Donc, voilà, dans la satiété, il y a la physiologie et la sociologie. Donc, pour travailler sur la physio, c'est du temps, prendre le temps. Et sur la dimension sociale, c'est s'affranchir du regard des autres. Hein, et puis, trouver des moyens collectifs aussi de baisser votre consommation. Parce que quand on est seul à baisser et que les autres ne le font pas, c'est dur. C'est dur. Parmi les solutions, donc les solutions avec substituer des plaisirs par des plaisirs alors à plus long terme, vous avez parlé de la plaisir de la connaissance, plaisir de l'altruisme, de la conscience étendue. Je voulais avoir votre avis sur le plaisir esthétique, parce que finalement, le plaisir de voir une belle chose, une chose bien faite, c'est un plaisir qu'on ressent tous, qu'on a tous, et qui n'est pas quelque chose de vraiment quantifiable. Enfin, c'est pas quelque chose qui peut être cumulé. C'est vraiment un moment où tout d'un coup, on se pénètre de la contemplation de quelque chose qui n'est pas nous, qu'on ne va pas s'incorporer, mais qui va susciter en nous un plaisir qui est quelque chose de dopaminergique, enfin, clairement, qui fait du bien. Oui, bien. Et, est-ce que vous pensez que cette notion de plaisir esthétique, gratuit, on ne prend rien à personne lorsqu'on prend du plaisir devant un tableau ou à écouter une musique, est quelque chose qui peut aussi faire partie de la solution? Oui, tout à fait. Oui, j'ai hésité à l'aborder dans le chapitre des pistes parce qu'il fallait choisir trois grands axes. Mais oui, c'est tout à fait vrai. Il y a eu, dans le plaisir esthétique, celui qui est le plus quantifié en termes justement d'activation du système de récompense, à ma connaissance, c'est le plaisir musical. Et c'est totalement dopaminergique. Il peut même être bloqué par des antagonistes dopaminergiques, c'est assez fantastique. Les gens, on est un antagoniste dopaminergique, bah, ils écoutent leur plus beau morceau de musique, ils ne ressentent plus rien. C'est fantastique, c'est vraiment une source d'activation d'un plaisir biochimique, neuronal, tout à fait quantifiable, mais qui est d'origine, c'est de l'art, c'est de la musique, donc c'est pas de la nourriture, c'est pas un produit matériel, c'est un produit culturel. Évidemment, c'est fantastique. Ça, si on pouvait s'orienter plus vers ces sources de plaisir-là, c'est pas impossible. Enfin, on a du mal à se rendre compte à quel point, en fait, ça a été un choix de. Alors, est-ce que c'était un choix ou une orientation non voulue? Mais ça a été une orientation de civilisation, quand même, de développer la consommation matérielle. Probablement parce qu'au départ, ça a été un besoin. De bonne vie, de bonne qualité de vie, de protection contre la mortalité infantile, d'accès à un certain niveau de confort. Mais malheureusement, on n'a pas toujours développé au même niveau les autres sources de satisfaction de l'être qui sont toujours dopaminergiques, mais par exemple artistiques. Malheureusement, ça n'a pas suivi à ce niveau-là. On n'a pas la même pulsion de musique aujourd'hui au niveau des millions qui peuplent l'Europe, par exemple, comme on a une pulsion de basket ou de téléphone. Non. Alors, on consomme la musique sur son téléphone, oui. Ça, oui, mais on ne la fait pas vraiment. Enfin, pour certains, évidemment, mais c'est forcément élitiste. Mais c'est une voie civilisationnelle évidente. C'est pas comme si on n'avait pas de cartes entre les mains pour remplacer notre façon aujourd'hui d'épuiser nos ressources matérielles. On a des cartes. Voilà, oui, bien qu'on a souvent fait cette réflexion sur l'art. Et c'est, oui, je suis tout à fait d'accord. Et même au-delà de l'art, je pense que même tout ce qui est artisanal, ou même dans le travail, on peut, au terme d'une consultation médicale, par exemple, lorsqu'on dit au revoir au patient, avoir le sentiment que la consultation s'est bien placée. C'était un moment qui était très bien fait. Et comme un artisan, vous savez, qui a un cordonnier qui remet une chaussure en disant, expliquant, j'ai rajouté ça ici parce que je pensais qu'il fallait qu'il soigne son travail et qu'il y a une sensation comme ça de qualité, de travail de qualité. Voilà, j'ai rajouté ça parce que je pensais que c'était mieux qu'il y ait ça à cet endroit. Il y a une sensation esthétique, oui. De travail bien fait.
le travail bien fait. Ça, c'est extrêmement plaisant. Oui, c'est vrai. C'est extrêmement satisfaisant, mais ça veut dire aussi une chose très importante, c'est que donner aux gens les moyens de maîtriser leur outil de travail et leurs compétences, c'est une garantie de leur épanouissement et ça leur évitera de tomber dans des palliatifs pour satisfaire leur système de récompense, que ce soit par du fast-food ou de la surconsommation de biens inutiles. Donc, et ça, c'est une tendance dans les milieux professionnels qui est dénoncée depuis un petit moment hein, par certains sociologues sur le fait que parfois même on prive presque délibérément les professionnels de la capacité à développer une compétence, une expertise fine et profonde pour des logiques aussi de rapport de force. C'est-à-dire que, vous savez, historiquement, même des chaînes de montage où les ouvriers étaient déplacés de poste, changés de poste intentionnellement, de sorte qu'il n'y ait plus la maîtrise entière de la chaîne de production et donc pas de moyen de pression dans des négociations, par exemple, salariales. Donc, et aujourd'hui, vous avez d'énormes plaintes d'énormément de secteurs professionnels sur la difficulté à vraiment se sentir de plus en plus à l'aise dans son domaine de compétences et de familiarité, avec toujours cette phrase qui, en fait, fait énormément de dégâts, c'est sortir de sa zone de confort. Alors qu'en fait, rentrer dans sa zone de confort, mais sans s'y complaire et sans s'opposer sur ses lauriers, mais simplement pour creuser, pour mieux posséder ce qu'on possède, c'est un gage de bien-être et d'épanouissement qui est absolument à remettre parmi les priorités. Ça, je suis content de l'entendre. Bon, je suis désolé, on a été un petit peu long. Est-ce que ça vous ennuie si je pose quand même les trois questions de mes collègues? Allez-y. Parce que... Ouais, on est à 40 déjà. Donc, la question de Thomas, je vais les lire parce que je voudrais être fidèle quand même à leur intitulé. Donc, de mon collègue Thomas de Brouckère de Saint-Denis, qui est neurologue à l'hôpital de Saint-Denis. Si l'on voit bien des exemples éclatants de Bowler's Boy, donc Sébastien Bowler's Boy, dans la politique actuelle, et sans doute de tout temps, comme Trump, Bolsonaro et sans doute Erdogan, Poutine, etc., il n'y a pas vraiment de raison de penser que les plus altruistes, sincères, honnêtes, des femmes et des hommes, qui en seraient l'image en miroir, ne le soient pas aussi, Bowler's Boy. L'espoir en de certaines qualités de l'humanité et dans ses capacités de préserver l'avenir doit-il être placé dans l'équilibre des forces entre ces deux catégories de population, ou plutôt dans les peurs de masse qui nous viendront un jour ou l'autre à la mesure des catastrophes à venir, ou plutôt encore dans l'éducation critique des populations qui leur permettrait à grande échelle de mettre en action leur capacité de contrôle exécutif et de cerner les ambitieux cyniques. Question subsidiaire, que pense Sébastien Bowler dans le cadre de sa réflexion propre du livre de Pierre Lecoz, Le gouvernement des émotions? Alors, le début de la question, c'est l'opposition entre les Trump et les altruistes. Voilà. Et donc, quelle est la question qu'il pose sur ce... Alors, est-ce qu'on peut placer son espoir dans l'équilibre des forces entre ces deux catégories de population? Donc, un rapport de force au niveau géopolitique entre des populations altruistes, des populations de dirigeants, hein, de gouvernements altruistes ou plutôt profiteurs, on va dire. Non, c'est le fond du problème, c'est que... on est tous équipés avec les deux aptitudes. On veut tous à la fois du pouvoir et on est tous capables de coopérer, d'être altruistes. La question, c'est celle des conditions sociales, historiques, qui vont favoriser plutôt donner l'avantage au désir de pouvoir et de puissance ou au contraire aux potentialités d'altruisme et de coopération. Ça, aujourd'hui, on est dans une phase où il y a vraiment un créneau à prendre pour les leaders autoritaires, populistes, nationalistes, menteurs. C'est une véritable épidémie. Donc, ça interroge plutôt sur qu'est-ce qui fait qu'on arrive dans ce raz-de-marée de Trump, de Bolsonaro, d'Orban et de tout. Et que, par exemple, la longueur des murs à la surface de la planète ne cesse d'augmenter. C'est-à-dire qu'il y a une montée en puissance de ce désir de se séparer les uns des autres autour de vecteurs d'identité nationale qui sont le drapeau, le gouvernement autoritaire, les leaders populistes. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on en est là?
Il y a quand même pas mal d'hypothèses là-dessus, mais c'est que le monde globalisé qui a mis en concurrence les individus les uns avec les autres, qui a précarisé les existences, les trajectoires professionnelles, donne une impression de ce que Émile Durkheim, le sociologue, appelait l'anomie, c'est-à-dire une impression qu'il n'y a plus vraiment d'ordre social à part la loi du plus fort, de celui qui s'en sortira le mieux dans un monde complètement libéralisé. Et récemment, il y a une étude assez fascinante, une méta-analyse de, voilà, c'était fait sur plusieurs continents, et qui c'était des corrélations entre le niveau de désordre social perçu par les populations et le désir de leader autoritaire. Il y a une corrélation très forte qui apparaissait entre les deux, c'est-à-dire que plus on ressent que la société finalement n'est plus bordée par des institutions fiables et que chacun est sur un siège éjectable, plus il y a un réflexe de porter au pouvoir un leader nationaliste autoritaire. Parce que c'est finalement quelqu'un qui va vous proposer une grille de lecture extrêmement simple et qui vous donne l'impression que ça va être comme ça et que ça va être structuré d'une certaine façon. Il y a un besoin d'ordre qui surgit à ce moment-là. Moi, c'est un facteur important au niveau macroscopique qui va pousser notre désir plus vers un singe dominant plutôt que vers de la coopération entre des individus plus ou moins tournés vers l'altruisme. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond à la première partie de la question, mais et la deuxième partie, c'était. C'était les alternatives, hein, l'éducation critique des populations qui permettrait de mieux mettre en action leur contrôle exécutif. Le développement de l'esprit critique, ouais, c'est le grand sujet quand même. Mais là, on se heurte en fait aussi de nouveau, pareil, à cette infosphère très particulière là, qu'on a créée, Internet, les réseaux sociaux, les sources d'informations alternatives. Aujourd'hui, c'est particulièrement délétère chez les plus jeunes qui arrivent dans un monde où il n'y a pas de source officielle. Il est très difficile d'accorder de la crédibilité à telle source d'information plutôt qu'à telle autre. Et donc, chacun va piocher un petit peu là où il veut en fonction de ce qui lui plaît. Donc, c'est ce qu'on appelle les chambres d'écho. Hein, les sociologues écrivent les chambres d'écho. Ce sont des groupes en fait, de personnes sur Internet qui s'agglutinent en fonction de leurs croyances partagées. Et donc, quelle que soit la croyance que vous avez aujourd'hui, vous pouvez toujours trouver sur Terre au moins, je ne sais pas, 10 millions de personnes qui croient exactement la même chose. Et vous allez vous retrouver dans une chambre d'écho, c'est-à-dire qu'il vous renvoie vos opinions. Et là, l'esprit critique devient impossible, à moins d'exercer le doute cartésien, c'est-à-dire douter de tout, voilà, jusqu'à ce que j'ai une preuve irréfutable. Mais en pratique, on ne le fait pas. Et donc, pour l'instant, on n'a pas trouvé la parade. Il y a eu une proposition de loi anti-fake news. Alors, dans l'éducation à l'école, il y a quand même pas mal de choses qui sont faites. On apprend, je le vois avec mes enfants, par exemple, ils reviennent, la maîtresse dit comment on peut vérifier si une source a l'air fiable ou pas, quelles sont les bonnes questions à se poser, avec qui en parler, est-ce qu'il faut en parler aux parents. Donc, c'est quand même des bons réflexes de fonction exécutive auxquels on peut au moins sensibiliser les enfants quand ils grandissent, leur montrer que ça existe, la capacité à poser des questions plutôt que d'adhérer par désir de conformité, par exemple, ou par paresse. Hein. Ça, c'est très important, et oui, ça semble quand même pas la tendance dominante. Hein. On voit, par exemple, les sociétés platistes qui sont en pleine progression, ou les théories du complot qui fleurissent à tout bout de champ, surtout sur le coronavirus, sur n'importe quoi. Enfin, ça va être un enjeu. Mais à la base, quand même, je pense que. Si on veut se prémunir contre ça et mettre toutes nos billes dans un sac, c'est quand même celui de l'éducation. Hein, parce que quand on met le paquet sur l'éducation, ça veut dire qu'on peut quand même développer les fonctions exécutives et les enfants à très large échelle. Et puis, passer d'un climat de crédulité à un climat de connaissances construites et partagées ensemble. Ça, le jour où on mettra le paquet sur l'éducation, ce qui est très, 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 très loin d'être le cas, que de promesses non tenues, que de démissions en termes budgétaires, que d'abandon des missions de l'éducation. Enfin, ça, pour moi, c'est si j'avais un souhait à formuler, ce serait celui-là. Donc, je suis très content d'en parler avec Stanislav si on fait ce déjeuner.
Une question un petit peu sur l'actualité donc de Freya Weise, qui est notre éditrice. Pour poursuivre les thèses de son livre, au vu du récent événement Covid-19, que pense-t-il ? Une telle crise peut-elle s'ajouter à l'arsenal des facteurs susceptibles de changer notre cerveau, notre prise de conscience et donc notre comportement ? Ou au contraire, va-t-elle générer une sorte de manque qui boostera davantage les besoins du striatum qui ne connaît pas de fonction stop ? Oui, c'est le confinement. Je répondrai par une publicité pour BMW que j'ai entendue la semaine dernière, qui est assez fabuleuse. Je trouvais ça incroyablement culotté à ce moment-là. La publicité, c'était « Pendant 3 mois, vous avez maintenu vos instincts en sommeil. Il est temps de les réveiller. » Oui, effectivement, oui. C'est quand même que les stratèges de BMW soient allés chercher le pauvre petit striatum pour le sortir de sa cage. Ils ont dû lire le bug humain. Ou alors, vraiment, c'est vraiment dans les façons de réfléchir. C'est sûr. Et donc, je crois que vraiment, quelque part, on a réussi le tour de force, là, mais c'était quand même mis sous forme d'entraînement commando de mettre notre striatum en cage. Bon, pendant 2-3 mois, mais vraiment par la force de la résistance, de la pure volonté. La question qui se pose, évidemment, avec les efforts de la volonté contre le désir, c'est les effets rebonds, qui sont très connus dans le domaine alimentaire, par exemple, ou dans le domaine de l'abstinence en cas d'addiction. Enfin, et là, je ne sais pas si on va être dans un effet rebond ou s'il restera une petite lumière quand même qui s'est allumée dans certains esprits à ce moment-là. J'ai quand même rencontré pas mal de gens qui me disaient qu'ils avaient découvert qu'ils pouvaient quand même se forcer à faire des choses qu'ils n'avaient pas envie de faire. Pas toujours des gens forcément avec une formation universitaire, peut-être des gens parfois qui étaient plus dans des métiers manuels ou peut-être même des personnes déclassées qui étaient habituées plus à rechercher justement des biens de consommation instantanés pour se sentir un peu de plaisir et qui étaient contents, qui étaient contents de se dire « Là, j'ai résisté, j'ai tenu et puis tout n'était pas si mauvais. » Et même chez ceux qui ont vécu le confinement dans des conditions difficiles, parce que ça a été très inégalitaire, les personnes qui étaient vraiment enfermées dans des petits appartements, avec peu de capacité de sortir, il y a une forme, parfois une forme de fierté d'avoir tenu quand même. Et je pense qu'on aurait intérêt peut-être à en faire des héros, peut-être autant que les soignants, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment souffert sans être mis à l'honneur, qui ont simplement respecté la règle, quoi. Là, chapeau. Et derrière, c'est peut-être ça l'espoir que j'ai, c'est que c'est un moment où on a peut-être un peu musclé notre faisceau fronto-striatal, là, et qu'on a résisté, et que derrière, il peut y avoir peut-être l'envie de se dire, allez, c'est comme quand on a fait un stage de sport, qu'on a développé sa masse musculaire, est-ce que je vais laisser fondre mes muscles en rentrant, ou est-ce que je vais faire un minimum d'exercice tous les jours pour qu'ils tiennent jusqu'à l'année prochaine, et que je ne sois pas toute la vachie sur la plage. C'est ça. Moi, je pense que c'est très important de valoriser l'effort qui a été fait pour qu'il ne soit pas vu comme quelque chose, un mauvais moment à passer, et puis après, tout recommence, mais quelque chose de valoriser, pour se dire, allez, je vais en garder une petite compétence que j'ai découverte à ce moment-là. Bon. Je pense qu'on va s'arrêter là. Encore merci pour toutes ces réponses bien, bien instructives. Puis cet entretien très intéressant. Je pense qu'on a un peu trop laissé parler nos striatums parce qu'on a bien débordé l'horaire prévu. Mais bon, il y avait du plaisir aussi. Ouais, carrément. Ouais, tout à fait. Donc, merci beaucoup. Et puis, j'espère à Paris en janvier. Ouais. C'est bien de faire ça. Ouais, ça sera un grand plaisir. Merci en tout cas, encore une fois. À bientôt, j'espère. Vous me dites, on est au courant. Au revoir, merci beaucoup. À très vite. Au revoir, merci. Merci.